Après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continue sans arrêt. Et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont aujourd'hui les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon. De voir le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité, des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne.